Bon, c'est vrai que faire de la voiture super rapide, c'est un rêve depuis longtemps, c'est maintenant. Bonjour. Bonjour. Je viens... je me suis inscrit ici pour faire de la voiture... D'accord, mais il faut commencer par la Formule France. Il faut commencer par la Formule France pour s'initier au pilotage et peut-être découvrir de nouveaux talents. Là, vous allez apprendre tout ce qu'on ne vous apprend pas à l'auto-école. Ah d'accord, très bien. Bah, moi, je vais être comme lui. On va reprendre la théorie. Donc, ça se traduit, par exemple, pour un virage à droite. Ici, vous aurez un cône pour matérialiser le point de corde. Mais le circuit, il est où? Il est matérialisé par des cônes et aussi par des rails. Des cônes et des rails. Ah ouais, c'est bien, c'est très imagé. Est-ce que vous avez des questions? On y va? Là, j'ai juste un petit doute. Ce sont des voitures équipées d'une boîte séquentielle. D'accord, deux, trois, juste là, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. C'est ton mari? Non, c'est mon papa. Ah, c'est vrai, ah d'accord. Ok, bah moi, je suis pilote, hein, je suis pilote. Ouais, tu verras, ça vient vite. Il suffit en fait de bien comprendre 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. T'as vu ça un peu, les oui, rapports? Oui, j'ai compris. Ok. Les jantes sont plastorigides. Elles sont rigidifiées par un carbonate silicium. Ah, oui. Elle est carburée par auto-nettoyant ou il y a une protection antivirale? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, c'est ça? On choisit son sens sur le circuit ou c'est forcément comme ça? Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Attention à... Quand tu cours des vitesses, tu sais dehors. Attention à l'erreur sur la première. Ok, viens. Comment je fais pour la démarrer, là? Tu lèves le bouton. Lequel, celui-là? Attends, faut que je me dépêche. Le voilà, là, vite. Je fais comment, là? Il y a une vitesse. Bonjour, ça va? Je me suis fait trier, là. Il y a trop de formules de politesse, ta-ta-ta, faut faire comme ci, faire comme ça. Moi, j'ai juste envie de prendre une voiture et de dire... Ah, on fait un truc commun avec une voiture normale. Non. Ah, ça y est. On remet la carcasse, là? Ouais, mais... Une petite seconde encore. D'accord. 1, 2. Alors. Voilà. Impeccable. J'ai juste un petit problème à ce niveau-là. Là, j'arrive pas. Ouais. Donc, t'as bien rigolé ce matin, on peut y aller. On va passer aux choses sérieuses. Ok. Bon, là, on va faire un tour en biplace à côté de Laurent. Et à mon avis, ça va être à fond les frissons. C'est excellent! Oh, j'ai eu des frissons qui sont remontés du ventre jusqu'à la tête, surtout dans les virages, quoi. C'est une vague de frissons qui déferle comme ça. Et à toi de jouer, mon petit. J'ai peur de pas pouvoir avoir autant de frissons tout seul, franchement. Mais tout seul, tu vas en avoir autant, mais en allant moins vite. Dire que je suis dans une Formule France, là, ça va aller à plus de 200 km/h. Là, c'est peinard que je vais exploser les limites de vitesse. Ça, c'est canon. Allez, c'est parti. J'ai calé.